J'ai trop bien les Winx. J'adore. Je vais changer la télé. On va regarder un film d'horreur interdit au moins de 18 ans. Oui, je kiffe ça. J'adore les films d'horreur. C'est trop bien. Je vais me connecter sur mon site préféré pour gagner des Robux gratuits. Je t'explique en même temps, connecte-toi avec ton pseudo Roblox. Le site ne te demandera jamais ton mot de passe. Va à gauche dans l'onglet Gagner et là tu peux gagner des Robux en jouant à des jeux ou juste en regardant des vidéos. Par exemple, je clique sur Offert Taureau, je peux choisir l'appareil sur lequel je suis. Par exemple, je prends un téléphone Android et je peux jouer à des jeux pour obtenir des points. Donc je peux télécharger des applications, y rester pendant quelques secondes et ensuite je gagne des points. Clique sur le texte promo code à gauche et tape 15L2 pour obtenir des Robux gratuitement. Ensuite, on va récupérer nos Robux. Pour cela, va t'en retirer, choisis le montant, puis va dans le Select Game et choisis l'option qu'on te propose. Clique sur Create New, ça va t'ouvrir une nouvelle page. Clique sur Gérer mes jeux, puis Game Pass. Crée ton Game Pass, si tu ne sais pas le faire, je t'explique. Choisis n'importe quelle image et n'importe quel nom, ça n'a pas d'importance. Puis clique sur Preview, ensuite sur Verify Upload. Une fois créé, va sur l'écrou et configure. Dans Sales, active et mets le prix de couleur jaune. Tu recevras le prix en blanc car Roblox déduit des taxes d'une valeur de 30%. Sauvegarde et reviens sur Gems Loot. Clique sur Change, ça va te montrer le Game Pass que tu viens de créer. Clique sur Buy Game Pass. Pour être sûr, tu peux appuyer sur View Transaction in Roblox et tu verras les Robux qui vont arriver sur ton compte. La transaction peut prendre entre 1 à 7 jours en moyenne et voilà, enjoy tes Robux gratuits. Mes chéris. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Alors, votre maman va partir en week-end à Londres, la ville la plus belle du monde. Du coup, vous allez aller chez vos mamies. Oui, j'ai pas envie d'aller chez mamie, un film d'horreur qui va commencer là. Ah, ben, je suis désolée. Je vais éteindre la télé et tu vas venir avec moi. Bixou aussi, tu viens? Mais c'est pas grave, Wanser, c'est pas grave. Tu sais, film d'horreur, tu regardes mamie, c'est bon. C'est pas faux, hein. Regardez, bon, tant pis, hein. Mais c'est pas grave, je demanderai à mamie si on peut regarder chez elle le film d'horreur. Mais soyez gentil avec votre mamie, elle est très gentille, elle mange personne, elle est très très sympa. Vraiment, il faut pas avoir peur d'elle. Ok, bon, d'accord. Bah, mais c'est... C'est d'accord, mais tu reviens nous chercher, hein. Oui, je reviens dimanche soir. Ok. Ou dimanche midi, je sais pas encore. Allez, montez dans la voiture. Je me mets devant. Tu vas être obligé d'être derrière maintenant. Chante. Bon, moi je suis tout seul, c'est bien. Ouais. Bah, là, si je fais des proutes avec le vent, ça va aller derrière la voiture. Ah non. Pas envie de mourir asphyxié, moi. Et chut. Taisez-vous. On a mangé du cassoulet. Ah, vous avez mangé du cassoulet. C'est toi qui nous as fait, maman, tu te rappelles plus? Bah, je suis fatiguée, tu sais, moi je travaille, hein. Et la boîte de conserve. Faire des carburants naturels. Ah zut. T'as cassé un peu la façade de mamie, hein. Je peux pas conduire, maman. Faut pas dire ce mot, hein. Mais non, moi je trouve qu'elle conduit trop bien, ma maman, hein. Regarde comment elle conduit. C'est la A, c'est comme dans GTA. J'adore. D'ailleurs, maman, tu peux m'acheter GTA? GTA 5. Je vais faire du roleplay sur GTA 5. Je vais être un gangster. Bon, on va attendre que... Ah, bonjour. Oh, bonjour, mamie. Vous êtes mignon, vous êtes à croquer. Oh là là, oui. On me le dit, je sais. Du coup, maman et maman, je vous les laisse. Hein. Maman, je pars en soirée. Allez, je dis bon week-end. Ne t'inquiète pas, Pierrot. Tout se passera bien, ma fille. Donnez bien des médicaments à Lixou parce qu'en ce moment il a la diarrhée. D'accord, ne vous en faites pas. J'ai de dire non. Pas de problème. T'as la diarrhée, Lixou. Non, c'est faux. Alors, les enfants, mes caca tout partout. C'est, mais je suis pas une pomme. Non, mais vous inquiétez pas. Qu'est-ce que vous voulez faire, les enfants?
tu veux regarder un film d'horreur interdit aux moins de 18 ans. Attendez, déjà, avant de commencer, vous êtes content de voir vos deux mamies? Oui, j'adore les trucs d'horreur, oui. Ouais, moi, j'adore aussi les trucs d'horreur. Mais j'ai pas demandé si vous aimez les trucs d'horreur. J'ai demandé si vous étiez content de voir votre mamie, vos mamies. C'est pareil, oui. Oui, pardon, oui, j'aime ça. On les met devant un film d'horreur. Comme ça, on va pouvoir être tranquille. D'accord, pas de problème. Ok, t'es sur quelle chaîne? T'es sur HBO. Ok, bah venez, amenez là et vous allumez la télé. Faites comme chez vous les enfants, on vous aime. Allez, vous êtes grands après tout. Bah allez, au revoir. Bonne soirée les enfants. Bonne soirée. Soirée. On va pouvoir regarder le film. Mais commence pas tout de suite, oh, il est encore trop tôt. Faut attendre, je crois. Oui, bah c'est trop chiant. Regarde, là, il y a un bonhomme, il est en train de se noyer. C'est encore plus drôle qu'un film d'horreur. Mais tu sais, les deux mamies, c'est bon, quoi. Moi, ça m'a déjà fait l'horreur. Cauchemar, moi, après. Bah, c'est vrai, t'as vu, en plus, ta mamie, entre deux rides, elle a des morceaux de gâteau qui sont bloqués. De ouf. Et t'as pas senti, il y a une des deux qui sent la pisse. Là, ça doit encore... La litière du ça, elle a du mal à nettoyer, hein. Oui, d'ailleurs, il est passé où, le chat? Tu te rappelles pas, la dernière fois qu'on est venu, il y avait un gros chat. Il était énorme. Ah, ils ont vu... Il a vu leur tête, il s'est barré. Il a eu peur. T'imagines, ils l'ont graille. Imagine, ils l'ont mis au barbecue. Faut très vérifier le barbecue, on sait jamais. Attends, viens. On va vite regarder le barbecue. Viens. Ah, oui. Il y a un barbecue, je crois. Là, viens. Là-bas. Viens, on va regarder. Oh, regarde, il y a des poils. Il y a des poils roux. Là, regarde, il y a des poils roux, là. C'est pas les poils à mamie, ça? Non, le chat, il était roux. Comme les poils à mamie? Ouais, aussi, le c'est vrai. Le chat à mamie aussi, il est roux. Regarde, il y a une queue de chat roux, là, en dessous du barbecue, là, derrière. Elle est bloquée. Bah, son ex? Non. Attends, t'as pas l'impression d'être observé, là? Si. Attends, viens, on rentre et on va les espionner, parce que... Bizarre, là. Oui. On y va. Viens. Sur moi, ça nous fera notre film d'horreur. Ouais, on fait une mission, c'est comme dans 007 et Mission Impossible. Vidéo. Oui, j'adore. Oui. Viens, on se met derrière la porte. Attends, je vais entourer un tout peu la porte. Ma chérie, il faut trouver une manière de faire quelque chose pour les... Tu sais ce qu'on va faire. Mais oui, mais quelle sauce va-t-on mettre? Je ne sais pas, on a tellement... Tu sais, je crois qu'on va mettre la sauce barbecue aujourd'hui. Ils sont on les cuit comment? Déjà, j'ai un plan, on va les piquer pour les endormir. Allez, avec la piqûre que j'ai volée dans un hôpital, on va les piquer. Comme ça, ils vont dormir et on va pouvoir les couper. Oh, mais quelle merveilleuse idée. Oui, mais comment va-t-on les cuire? Oh, ils sont tellement gros, ils ne vont certainement pas rentrer dans notre... là où on a grillé le chat. Bien sûr, lui, il était beaucoup plus petit. Peut-être qu'on mettra le feu aux toilettes, ça ira plus bon vite. Alors, au pire, on les démembre et on met leurs parties une à une. Ah, c'est pas... Attends, pourquoi le chat, il est revenu? C'est le chat de la voisine, je crois. Viens. On a ici... T'as entendu ce que j'ai entendu? Oui, ça fait peur. Attends, il parlait de quoi, là? De d'où? De nous? Pense? Ils veulent nous grailler. Ils veulent nous grailler? T'es sûr? Avec de la sauce à moi. Ils vont mettre de la sauce à moi sur moi. J'aime pas ça. Attends, ils ont dit quand ils vont nous envoyer dodo, ils vont nous piquer. Ça veut dire qu'il faut pas qu'on aille dormir. Surtout pas aller dormir. Non, ils ont même parlé du chat. Mais j'avais raison, ils ont graillé le chat. Oui. Ils ont graillé le chat. Faut surtout pas qu'on aille se coucher et faut que ce soir on essaye de s'échapper. Vite, assieds-toi. Les enfants. Oui, mamie. Vous avez rien
vu, il n'y avait rien dans ma main. Je crois qu'il va falloir que vous alliez dormir. On n'est pas encore fatigué, mamie. On n'est pas fatigué, là. Mais ce n'est pas bon de dormir. À votre âge, il faut dormir maximum 14 heures. Allez faire un gros dodo, les enfants. Ça fait 15 heures que j'ai dormi. Ça fait 15 heures que j'ai dormi. Si vous ne voulez pas, on va vous obliger. Hop, sur les shoulders. Allez. Allez. Sinon, on vous tire par la peau du cou. Mais juste avant de dormir, allez, vous pouvez nous aider pour dormir et nous raconter une histoire. Mais bien sûr. Pas de problème. Mettez-vous dans mon ordinateur, j'arrive pas à monter. Deux dans le lit, allongez-vous. Ok, on va raconter une histoire, on va s'endormir facilement comme ça. Ok, oui, vos deux gentilles mamies vont vous raconter une histoire. Mets-toi de l'autre côté, ma chérie. Voilà. Oui. Il était une fois... Ah, vas-y, continue. L'histoire de deux petits enfants. Ces deux petits enfants étaient à croquer. Et ils allaient chez leur mamie. Ils allaient chez leur mamie. Et vous savez ce qui s'est passé ensuite? Les petits enfants étaient très méchants. Ils ont été très méchants, car ils n'ont pas voulu aller dormir. Alors, les deux mamies les ont pris et les ont mis dans le four. Et ces enfants ne sont plus jamais rentrés. Alors, il faudrait que vous ne fassiez pas de bêtises, sinon il va vous arriver. Rien du tout, parce qu'on est très gentils. Oui, je vais me coucher, je vais juste aller faire pipi. J'ai très envie là de faire pipi. Non, d'accord. Mais sinon, allez faire pipi. Vite, cours, petit frère, cours, vite, aidez-nous, il faut qu'on aille à la police. Elle court vite, les grands-mères. Elle court méga vite, les grands-mères. La mamie, dis donc. Avec l'enfant. Je suis sur les entraînements de Thibaut. Je peux plus courir. Pourquoi? On doit la rattraper. Eh bien... Allez, Geneviève. Oh, pardon. Il est où? Il est où, mon petit frère? Attends là, vite, cours. Allez. Vite, vite, cours. Il est en train de le genou. Mon enfant. On doit allumer le mode Super Saiyan. J'allume le mode Super Saiyan. Vite, à la police. Ou aller au commissariat. Pour rien faire au commissariat. Non, tu peux pas. Vite. Je voulais te tuer, espèce de garce. Allez. Quoi? Ça me tire quoi, garce? Vite. La police. La police. Je suis sûre que ta chienne est bonne. Aidez-nous. Non, y'a personne à la police parce que... C'est le mauvais moment pour venir, on les a tous tués. Vous allez mourir, et oui. Comme dans l'histoire, et vous êtes coincés. Vous êtes coincés. Aussi. Vite, par là. Vite, cours. Oh merde. Je suis trop grosse. Ah, c'est pas par là. Ah, mais je suis coincée. Jessica, où es-tu? Ah, je peux pas passer, moi. Allez, viens. Tu dois passer, allez. Comment vais-je faire? Oh là là. Vas-y, saute. Attends, je te vois pas, là, j'arrive. Ah, là. Ils sont où? Ils sont... Je crois qu'ils m'ont pas vu. Tarnabidouille. Ah, vous êtes là. Et je crois que j'ai perdu mon petit frère. Je crois qu'il s'est fait manger.